Une table à trois. Bonsoir, dit-elle. Est-ce libre? Bonjour, dit le vieil homme. Oui, ces deux à cette table sont encore libres. Elle sourit et prend place. Voulez-vous déjeuner avec moi? À trois, le plaisir est bien plus grand. N'est-ce pas trop tard pour déjeuner? Et pourquoi à trois? Ce n'est jamais trop tard. Mademoiselle, trois petits déjeuners, s'il vous plaît. La nuit tombe. Le jour passe. Ou bien, est-ce la nuit qui passe et le jour qui se lève? Nuit et jour en même temps. Le soleil montre le temps. Pourtant, le soleil n'a pas de temps. Elle prend deux morceaux de sucre, un cœur, un dé. Comment prenez-vous votre café? Avec du lait, sans sucre? Dans ma vie, il n'y a que des douceurs. Je la porte dans mon cœur et au creux de mes mains. Ainsi, la chance me sourit toujours au dé, puisque 7 précède 4. Elle voulait être libre. Mais qui peut apercevoir les étoiles le jour? Le soleil brille toujours pour celui qui s'y leva. Êtes-vous un joueur? Oui, je l'ai toujours été, car la vie est mon jeu. Il déjeune le soir, son jeu est la vie, rare et charmant. Avez-vous déjà gagné? Demande-t-elle. Depuis que je sais qui joue avec qui, et que demain, aujourd'hui, c'est hier, oui. Dans ce jeu, il n'y a que des gagnants. Un jeu sans perdants. Tout est emprunté. À qui? À celui qui laisse les fleurs s'épanouir. Est-ce que le café est bon? Demande-t-il. Oui, mais pourquoi parliez-vous de petit déjeuner à trois? Nous ne sommes que deux à cette table. Deux couleurs nous guident, le noir et le blanc.